Alors bonjour, je m'appelle Pierre Beck, donc je suis maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes et je fais ma recherche à l'IPAG, c'est-à-dire l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Alors cet objet, je vais le sortir. J'ouvre la boîte, le voici. Alors cet objet, c'est une pierre, mais ce n'est pas n'importe quelle pierre puisque c'est ce qu'on appelle une météorite. Alors les météorites, ce sont des roches, mais des roches extraterrestres. Et régulièrement, on a ce type d'objets qui arrivent sur Terre, qui vont rentrer très vite dans l'atmosphère, qui vont tomber à la surface de la Terre et qui vont être ramassés. Alors ces météorites sont des objets extrêmement précieux pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire du système solaire, puisque cet objet-là, c'est le plus vieil objet solide qui soit disponible aujourd'hui du système solaire. Quand on mesure un âge pour cet objet, on a un âge qui est à peu près de 4,5 milliards d'années. C'est les plus vieux âges mesurés sur Terre. Et leur intérêt, je dirais leur préciosité, vient du fait qu'ils ont été peu modifiés par l'histoire géologique qu'ont connue, par exemple, les planètes, la Terre, Mars, Vénus. Et ils ont été préservés depuis ces tout premiers instants, ces tout premiers soubresauts de l'histoire du système solaire. Alors celle-là, je l'ai choisie, il y en a des plus belles, on peut même en faire des bijoux avec des météorites. Celle-là, je l'ai choisie parce que c'est typiquement ce à quoi ça ressemble quand on va la trouver sur Terre. Donc c'est une météorite très fraîche qui a été trouvée par ma collègue il y a une paire de semaines au Chili. Ces objets-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre leur lien avec leur corps parent, en fait, de comprendre d'où viennent ces météorites. Et on pense aujourd'hui que la plupart de ces météorites, plus de 95% de météorites, viennent de corps parents qu'on appelle les astéroïdes. Les astéroïdes, c'est des espèces de gros cailloux qui flottent dans l'espace, qui ont des tailles entre la centaine de mètres et le millier de kilomètres. Et moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est de caractériser la minéralogie de ces choses-là, donc avec des techniques de laboratoire, de caractériser ces objets-là et via une technique qu'on appelle la spectroscopie infrarouge, de comprendre le lien entre ces objets et les astéroïdes. Donc de retracer, si vous voulez, le code qui relie météorites et astéroïdes. Et ça, c'est un vaste sujet. On n'a pas encore trouvé la réponse, on a des pistes, mais on y travaille.